Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le Let's Play de Fallout 76. Donc, il me semble qu'on est sur le numéro 9, et il s'est pas passé grand-chose depuis la dernière fois, si ce n'est que maintenant j'utilise une nouvelle caméra, j'ai fait une petite mise à jour sur le logiciel, donc du coup, ma cam est directement intégrée pendant la capture vidéo, chose que je ne faisais pas avant, je m'emmerdais à la capturer d'un côté, puis à la mettre dans l'autre, et puis voilà, et puis du coup, c'était des manips de malade. Maintenant, c'est du tout en un, donc je ne pourrais pas régler la taille du cadre. Voilà, hein, j'ai lancé par défaut, c'était au même endroit plus ou moins que ce que je faisais avant. Donc c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. Hein. Bon, retour sur la vidéo. Donc il y a un conteneur juste là-bas, et je sais pas si je vais pas aller le chercher, parce que des fois il y a des trucs intéressants, mais il a l'air d'être quand même relativement loin. Non, je suis déjà sur la montagne. Alors, la dernière fois nous étions donc au sommet du monde, où on a Rosida, Rosinette, qui nous a demandé de faire des choses, donc là il fallait s'occuper d'un yogai avec son putain de pistolet à seringue de mes deux. Je l'ai fait en fait en vidéo, je sais pas, je suis tombé sur un yoga, je me suis dit je vais tester pour voir, et puis après je tue, et puis là je me dis, merde, il fallait pas, mais je l'ai fait. Bon, bah, de toute façon, rien de ouf, hein, elle a fait son rire à moitié sarcastique, sournois, tout ça, tout ce que tu veux, et là, elle m'a dit ensuite qu'il fallait que je lui prépare du matos qui puisse faire boum. On aura compris, c'est donc une bombe qu'elle souhaite que l'on lui fabrique. Donc du coup, bah, je me suis mis en quête d'aller là. Sinon, bah, depuis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petites quêtes annexes de ce côté-là. J'ai pas fait grand-chose. J'ai découvert ici que je n'avais pas été. J'ai fait des petits tours par là. Et puis c'est tout. Pas de rencontre particulière, pas de choses exceptionnelles non plus. Là, un bâtiment, il y a sans doute du monde là-dedans. Comme d'habitude, lors des let's play, on va aller directement droit au but. Surtout que je pense qu'il n'y a personne. J'ai plus de points d'action, c'est horrible. Je suis à présent au niveau 22. C'est toujours pas ouf. Mais c'est quand même mieux que la dernière fois. Qui était, si je me gourre pas, j'étais niveau 17. Et concrètement, face au monstre, eh ben, il n'y a pas de différence. Ouais, surtout si vous allez, comment dire, vous savez, cet endroit, le terrain de golf, White Spring, hein, d'ailleurs, si jamais vous y êtes jamais allé, allez-y, mais alors, de toute urgence, c'est un truc de ouf. Sauf si vous êtes comme moi, faudra être TBR hein, pour y aller, parce que les mobs, en fait, ils sont vraiment à gros niveau, c'est un truc de ouf. Il y a pas mal de ghouls qui sont niveau... comment dire, niveau... Elles sont niveau 62 pour certaines, ouais. Niveau 62, rien que ça. Au calme. Voilà. Donc comment vous dire, vous apprenez très rapidement à courir plus vite que d'habitude, vous apprenez très rapidement à monter sur les voitures inaccessibles aux mobs. Vous apprenez plein de choses. Bon, en tout cas, j'espère que le rendu vidéo sera bon avec la cam de ce côté-là. Je sais pas, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il vaut mieux pas que je retourne comme c'était avant? Est-ce que je fais... Je sais pas. Dites-moi, est-ce que c'est trop petit? Est-ce que c'est trop grand? Est-ce qu'il faut que je ferme ma gueule? Voilà. Dites-moi, hein, je ne sais rien. Je sais pas. I don't know. Je don't know. Bon, toujours est-il, on arrive sur les lieux... de l'investigation, je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Qu'est-ce que me dit ? Fabriquer un appât explosif sur l'atelier du bricoleur. Trouver le matériau nécessaire pour fabriquer un appât explosif. D'accord, donc... bah, très bien, on arrive pile poil là où il faut. J'espère juste que les mobs, ils n'auront pas un trop gros niveau, sa mère, parce que c'est tellement pénible. Voilà, il y a le petit attention qui va bien. On sait même pas pourquoi. Oh la vache, un Wendigo. Ah la vache. Oh, je les aime pas. Ils sont ignobles. Vous avez déjà affronté un Wendigo? Non? C'est l'horreur. Ok, il y a du monde à l'intérieur. Moi, en ma qualité de sniper, je me dois d'éradiquer la menace. On va peut-être prendre un fusil de précision.
Je sais pas quel niveau il a, mais... 62... Voilà, c'est celle-là. C'est de celle-là dont je parlais. Il faut faire attention. Parce qu'elles sont très fortes. Elles vous font un mal de chien. Putain, mais c'est dingue, ça. Plus, c'est un boss de zone. Ah, il est là. Ok. Il est là. Ah ouais, donc lui, donc si je vais tirer, il va venir. Sarah, grenade à plasma. J'ai tellement envie de la lancer maintenant, là. J'espère juste que je vais la voir si je la lance. Pitoyable. Bon. Eh bah... Putain, ça veut dire que... Non, mais attendez, le pire, c'est que si jamais je fais ça, ils vont monter par là. Il y a une rampe qui leur est destinée. Il y a une putain de rampe. Il faudrait tellement que je me mette en fait en hauteur que je puisse la voir. Le problème, c'est que là, c'est compliqué. Il faudrait déjà que... En fait, j'ai un problème, c'est que j'avais un pistolet 10 mm silencieux. Il était ouf. Il était trop ouf. Et je l'ai détruit. Voilà. Ni plus ni moins. Je l'ai juste détruit. J'ai juste été hyper débile. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'habitue. Je m'habitue à jouer avec de la merde. Bon. Va peut-être falloir un moment ou un autre rentrer. Arrêter de flipper. Ah, c'est trop con. J'aurais trop aimé pouvoir... Mais tu sors d'où? Ah, puis ils font tellement mal. Je suis pas préparé. Je vais mourir. Je vous le dis. Oh, ils sont trois. Ouais, je suis mort. Je suis mort. Concrètement, je décède. Voilà. Un petit décès des familles. Voilà. On m'a pas épargné. La grenade à plasma, c'est à l'intérieur que j'aurais dû la lancer. Bon. Ouais, je veux bien réapparaître, mais si c'est pour apparaître sur eux, ça va faire mal. Il va falloir élaborer une stratégie un petit peu plus efficace. On a donc toujours notre ghoul qui est là-bas. Si j'avais mon camp... Ah, mais j'ai pas bougé mon camp. Ça coûte une blinde de bouger son camp. Ils sont juste là. Alors, grenade à fragmentation... Ok... J'ai toujours... Quoique, vous me direz, j'ai toujours son... Son... Voilà, son pistolet à seringue. Que je pourrais utiliser, remarque. Je vais peut-être faire le tour, je vais les backstab. C'est con, j'ai pas de mine, je les ai toutes vendues. Je les ai toutes vendues parce que je m'en servais pas. Donc je me suis dit, bof, pourquoi est-ce que j'aurais des mines si je m'en sers pas? Donc du coup, voilà. Et c'est fâcheux, parce que finalement, bah, elle m'aurait bien servi. Ouais, elles sont retournées dedans. Elles sont retournées dedans. En fait, il me faudrait un endroit où elles ne puissent pas... pas monter. Je vais tester un truc. Je vais tester d'aller sur le grillage. Ok, je peux aller sur le grillage. Parfait. Ensuite, on va essayer de se déplacer mignonnement. Me vois-tu? J'ai loupé ça. Ok. Bon, pour l'instant ma strat fonctionne. Faut pas que je tombe. Je suis retombé. Faut pas qu'il me chope. Faut pas qu'il me chope. Putain. Pourquoi tu fais le tour? Ok, ça lui a fait du bien. Voilà, faut vraiment pas tomber. Déjà, je sais pas pourquoi je vois la troisième personne. Voilà, déjà, ça me permettra de savoir vraiment où je suis. Il est où? Je sais tellement pas où il est.
Ça se trouve, il y a un monstre qui va apparaître de nulle part. Ok, donc là, on est repassé en attention. Ce qui veut dire qu'on est en furtif. Je sais pas où il est, ça m'emmerde. J'aimerais bien lui faire un shot. Les autres aussi, ils auraient pu sortir. C'est vraiment des bâtards. On va tirer des greux. Oh, je les mise dedans. On va essayer. Ah bah oui, que des shots. Comment ça, j'ai plus de greux? J'ai plus de greux. Ok, il y en a là-bas. Je vois pas. Ah, c'est chiant. Je pense que je vais faire un gros cut. Je garde un visu sur le Wadigo parce que j'ai franchement, je veux vraiment pas qu'il vienne. Ok. Donc plus de ghouls pour le moment. On va aller les looter. Ça. Nanana, ok. Mais c'est la quatrième que je tue. Bon bah écoute, bah 4. Hein. Non pas le nombre que je disais, mais 4. Insane. Insane comment je me suis débrouillé. Trop bien. Ok, alors tac 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 tac. Waouh, tout ce qu'il y avait. Incroyable. Ok. Donc on n'a jamais autant avancé. Putain, c'est la caverne d'Ali Baba. Ah, un châssis d'armure assistée. Parfait. C'est très bien. C'est très bien. Ça va nous aider. On va pouvoir, donc déjà dans un premier temps, ramasser tout ce qu'on trouve. Alors, qu'est-ce qu'il a dessus? Il a du T51. Sauf que le problème, c'est que je peux pas le porter encore. Parce qu'il faut être niveau 30. Stealth Boy, oh yes. Il faut être niveau 30 et forcément j'ai pas le level. Hop, arme, tuk tuk tuk. Ça, on va recycler, ça va recycler. Alors j'ai un peu de place. Parce que du coup, ça veut dire que faut que je ramasse les trois équipements. Et j'en ai déjà en plus, alors ça m'emmerde, je veux pas avoir des choses inutiles sur moi. Même si comme ça paraît. Ça paraît être quelque chose de vital, en fait, de ramasser absolument les pièces d'armure. Et... J'ai fait une peau neuve. Elle est où, là? Il y avait une mine posée, là. J'ai vu la mine. Ah, elle est là. Je suis con. Ok. Donc, je sais pas ce qui vient de se passer, mais bah, ça s'est passé. Donc... Qui dit, ok, donc je suis à 205 de force, c'est parfait, du coup je ne suis plus peiné par cette histoire de poids. Je suis aussi à présent prêt pour le fight. Je vais envoyer une fléchette à l'autre enfoiré, parce que très très grossièrement, vraiment, hein, j'insiste, les Wadigo, ils sont vachement très 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 forts. Alors, pistolet à seringue. Donc, on va essayer de le toucher. Je n'arrive pas à le toucher. C'est infernal. Est-ce que j'aurais pas un autre poste de... Ah, si, peut-être de là-bas. Bon, alors, attends, déjà. On va lui coller une petite ballonnette mignonne. Ok, il est touché. En fait, de là où il est, putain, c'est compliqué. C'est compliqué de là où il est. En plus, il a l'air d'être bugué. Ah, mais il est au travers du mur. Bah, je comprends. Bon, écoutez. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire l'affaire? J'ai un buff out. Pour la force, endurance, santé max. Ok. Je peux augmenter mon endurance. Peut-être utile. Je peux prendre un medex et un buff out, à la limite. On a Medex, on va prendre un autre out. Et on va aller faire carnage. J'ai l'impression qu'il est bloqué. Et s'il est bloqué, nous. Mmh.
Attends, me tape pas, me tape pas. Ok, bon. Alors, le bug semble plutôt bien se passer. Est-ce que je peux viser? Je peux viser la tête. Ok, je trouve que le jeu est plutôt bien avec moi. Et ce Wadigo, qui est là-bas, lui descend, va succomber. Forcément, il va pas avoir le choix. Je m'approche quand même gentiment de lui. Il est bug, je crois qu'il est bugué dans le mur. Grand chose. Ok, il y a encore du monde. Il y a autre chose que le Wadigo. Est-ce que je peux pas juste utiliser ça? Beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Okay, semble être un peu plus efficace. Bon, et sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Oh, moi, je suis tireur d'élite sans souci particulier. J'ai besoin d'eau, on va en prendre rapidement, puisque sinon ça me bride au niveau de mon... Il semble réellement être bloqué, hein. Eh ben, on ne s'en plaint pas. Ok, donc là il passe à l'offensive, c'est dommage pour lui. J'ai use bug sans... Et alors, sans aucun... Putain, lance-grenade. Voilà, mais tout ce qu'il a regardé. Oh là là. Aucun scrupule à avoir profité d'un tel bug. J'en ai rien à fiche. Hop, on ramasse tout. Puisque les ressources étant importantes. Merde, j'ai pris tout ce qu'il ne fallait pas. Après qu'ils soient importantes pour la cache, le problème c'est qu'en fait, ça sert à rien de stocker tant que ça, puisque vous n'avez jamais la place. Mais bon, vous pouvez toujours faire des lots avec donc, du plastique et le matériau concerné. Et du coup, bah, vous permettre de pouvoir les revendre et vous faire un peu de pognon. En attendant, il n'y a pas grand chose malgré tout dans cet atelier. Je sais pas vraiment où c'est que je dois aller. Je dois aller là. Okay. Alors, visite à l'étage, il y a peut-être des... non, il n'y a rien. Okay. Donc là, ça veut dire direction... L'atelier. Cette situation m'a mis le stress. Hein. 4 goules, 5 goules du coup au niveau 62. 6. Oh vache, ça m'a fait des frissons quoi. Ah, il y en a une derrière moi. Il y en a une derrière moi. Oh, merde, ma vie. Oh la vache. Oh la vache, j'ai pas fait gaffe à ma vie. Je me suis fait laver. C'est horrible. On va retourner là, c'est pas grave. Il y en a que deux, il n'y en a plus que deux. Deux, c'est rien, mon gars. Je suis toujours en armure assistée. Je suis toujours en armure assistée, du coup. Ok. On va peut-être, du coup. Je sais pas si je vais pas réessayer de les brain avec. Avec les grillages ou quoi. Ok, alors là déjà. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ils me font tellement de dommages. J'ai pas le temps de recharger, de les tuer. C'est horrible. Je vais bientôt plus pouvoir réapparaître au même endroit. Enfin, je pense. Si c'est, si le jeu suit la logique, on devrait, dans pas longtemps, être baisé. Ok, donc ce que je propose, c'est de prendre un poste d'observation. Et de profiter... de leur distance pour leur mettre un maximum de balles. J'aurais dû faire ça dès le début quoi.
Donc du coup, il semblerait qu'il va monter. Allez les pères, faut que ça monte. On va le svaver, hein. Comment ils sont là? Mais vous avez vu ce nombre? Vache, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et en plus elles ont l'air d'être fortes. Pour le moment, il ne monte pas. Une. Ok. J'en vois une là. Ok. On réduit la menace gentiment. Très simple. Touché. Parfait. Je crois qu'il reste quand même une... Bon oui. Je crois qu'il reste quand même une 64. Une 62, pardon. Ça touche pas. Putain, ils étaient pas tant tout à l'heure. Hein. Assez dommage parce que c'était un bon poste. Oh ouais, ils sont partis. Ok, donc toi t'es toujours là. Oh, et tu cours, putain de vache. Qu'est-ce qu'il nous fait? Sans déconner, ça va faire mal. Ça ne s'arrête plus. Il faudrait tellement une arme de destruction massive. Oh! Mauvaise idée. Mauvaise idée. Quoi, il y a fusil, pression, mais qu'est-ce qu'on a? On n'avait pas un petit truc sympa? Ah si, un... putain, niveau 45. Force, il n'y en aura plus. Hein. Je suis toujours en surpoids, j'aurais juste aimé pouvoir passer à l'atelier. Faut pas qu'il me rush. Hein. Courez. Courez.
Oh la vache. Oh la vache. Ah, ça commence à me saouler. Oh, ça commence tellement à me gaver. Toutes ces salopes là. Le nombre de fois que je suis mort, quoi. D'ailleurs, bon, j'avais pas un sac avec mes trucs quand je suis mort. Bon, bref. Allez, cette fois-ci, il est peut-être temps d'aller là-bas, d'avancer un peu la quête, parce que là, souvent, ça va péter. Un plan. Ok, si, si, d'accord, ok, mon outil est là. Ok, ok. Il y a un truc, hein, sur un nom, pourquoi le tonneau de ski que j'ai acheté sur la piste, tu t'es saoulé, t'as encore les rien. Ok. Cartouche. On prend tout. On fait un petit recyclage au niveau de tout ce bordel. Ensuite, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que je peux faire? Alors ça, bah j'en veux pas. Celui-ci, il est pas top. Lance-grenade, bon, écoutez, je peux pas le transporter. Arbalète, c'est de la merde. Non, on va le péter. On va le péter. Tenue. Ah, j'ai un truc intéressant là, jambe bien droite. Tenue. Ah, nice. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hop, objet de quête. Non. Ah oui, l'appât explosif. Je crois qu'on a besoin sur la dessus. Ah c'est bon, c'est fabriqué. Ah oui, ok. Ensuite. Ok. Super. Vous avez des explosifs recouverts de bidoches dégueulasses et après. Eh ben, faites tourner vos ménages. Les trappeurs étaient experts en la matière. Y a pas un carnivore affamé qui dirait non à l'odeur de la viande fraîche. C'était la fois où Chuck, le gars qui a eu cette idée de taré, avait mis des appâts explosifs tout le long de la piste après un raid. Quand les Samaritains nous poursuivaient avec leurs chiens de piste, eh bien... On va dire que les chiens ont perdu leur odorat. Comme vous savez, parce qu'ils se sont fait exploser la cervelle. Bref, vous me comprenez. Vous pouvez utiliser votre appât sur ce que vous voulez. Servez-vous-en juste pour buter un truc qui veut vous bouffer. Vous me direz comment ça se passe. Ok, bon, on va essayer de faire ça alors. Et puis, tac, j'ai plus de. Okay, si j'ai ça, faut que je diminue mon poids. J'ai besoin de nourriture. Soin de nourriture, mais je sais pas quoi prendre. Il y a des risques de maladie, mais. Où est-ce qu'il pourrait y avoir une bestiole du coup? Oh non, on va se garder ça pour plus tard. On va se garder ça pour plus tard, voire même pas du tout, parce que ça doit pas être intéressant. Mais voilà. Récupérer la guérison, parachute et. Ça, faut que je le prenne. Bon. Bon, on verra ça pour la prochaine vidéo, je pense. Et puis ça va être pas mal déjà. Ouais, bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voilà, voilà. J'ai pas trop grand chose à dire parce que ça m'a un peu stressé. Hein. En plus, j'ai mon chat là qui est. Voilà quoi, t'as vu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager, tout ça, bref. Et puis on se retrouve pour l'épisode numéro 10. Ouais. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires.
comment vous trouvez une installation actuelle, est-ce qu'il faut faire des modifs, est-ce qu'il faut pas en faire, je sais pas. Voilà, dites-moi. Allez, ciao tout le monde. Peace.